Ici André Leroux qui vous présente une autre page de la petite histoire des quartiers centraux de la ville de Québec. 567 de la rue Horatio Nelson, appelée autrefois Nelson, cette maison appartenait à M. Eugène Lachance, qui était l'oncle de ma mère. On l'a toujours appelé mon oncle Eugène parce qu'il a vécu quand même assez longtemps. La maison a été énormément revampée, on y a mis une belle brique. Elle est vraiment dans un état de conservation fort intéressant. À gauche, le 563, ma grand-mère y est restée au troisième étage. Donc ma grand-mère et sa sœur vivaient comme voisins. Donc ils ont fait certainement des échanges importants sur le boulevard Langelier qu'on a vu précédemment où on pouvait s'asseoir. Parce qu'ici, les espaces verts sont à peu près inexistants. C'est vraiment maison sur maison, collé sur collé. Donc, on a que j'ai de la chance, ma grand-mère. Puis à l'extrême droite, on voit un autre bâtiment avec les portes blanches. La fille de mon oncle Jean, qui s'appelle Nicole, a marié un monsieur, Jean-Guy Beaumont. Il demeurait là, à cet endroit-là. Donc la rue Horatio Nelson nous donne des beaux souvenirs. Nous sommes maintenant au coin de la côte Badelard et de la rue Arago. Autrefois, dans mon jeune temps, dois-je le dire, se situait une épicerie. L'épicerie de M. Lionel Boiteau. C'est une petite épicerie de quartier dans laquelle on trouvait à peu près de tout. Un régime de bananes accroché près de la vitrine avec un fan qui envoyait de la chaleur pour pas que la vitrine gèle. Sur le comptoir du monsieur, il y avait un pot en verre avec des œufs dans le vinaigre. Un petit chien, puis mon père passait d'où il travaillait, près au biscuit de terre. Il s'en allait ici à pied pour se rendre où ce qu'on demeurait, qui est sur la rue Bello, la rue Narcisse Bello, que nous verrons dans quelques instants. Donc on parle de M. Lionel Boiteau. J'ai une photo d'une facture que j'ai conservée de ce temps-là. On parle de la facture date des années 70, fin des années 60-70. Voilà la petite épicerie de quartier où on prenait nos victuailles. Et à l'époque, il ne faut pas penser qu'on pouvait avoir la livraison avec un monsieur qui se promenait en bicycle à pédale. Petit trou en avant, puis une grosse roue en arrière, puis un gros panier. Voici la maison que mes parents ont habitée de 1972 aller jusqu'en 1984. Je peux vous dire que l'isolation là-dedans, il n'y en avait pas. Les tuyaux à l'huile gelaient dans la maison et les fenêtres gelaient par en dedans. C'était vraiment très, très mal isolé. Autrefois, vous voyez qu'il y a une galerie qui n'est plus là. Donc, si on ouvre la porte, la marche va être haute. Il y avait un escalier colimaçon qui montait jusqu'au deuxième étage et on habitait le deuxième étage. Vous remarquerez à côté, il y a une autre petite maison très mince puis on voit que l'escalier a été coupé. Donc, je vous explique un peu plus tard en descendant qu'est-ce qui est arrivé. Vous aurez une deuxième vue de la maison qu'on a habitée sur 571 Bello. Vous remarquez à côté, il y a une petite maison très mince. Autrefois, il y en avait une autre similaire qui était à gauche, plus une grosse maison. À un moment donné, quand nous sommes arrivés là en mai 1972, il y avait une voiture stationnée là, puis une autre voiture stationnée là. Et il y a une main criminelle qui s'est amusée à mettre le feu dans la deuxième petite maison qui était mince. Donc, on a passé à un cheveu de brûler de fond en comble parce que la maison qu'il y avait à côté, elle brûlait. Alors, s'il vous plaît, j'ai vu un bidon de 45 gallons d'huile. Quand ça explose, ça rouvre comme une fleur, puis le feu se répand à une vitesse. C'est fou la vitesse que ça se répand. Donc, cette petite maison-là a été épargnée par certains pompiers qui connaissaient le coin, qui ont su arroser d'une façon importante. Donc, c'est une maison dans laquelle j'ai vécu, moi, 5 ans. Ça a été bien, je n'ai pas été malheureux. J'avais des amis, les Ruellans, qui étaient des carrossiers. J'ai eu de très bons amis et j'ai de bons souvenirs encore de ce coin. Sauf qu'il faut comprendre que le confort était très rudimentaire dans cette maison.
l'endroit où nous sommes en ce moment, je me tourne, excusez-moi, c'est marqué Québec numérique, H2O, innovation. Dans les années 50, c'était un stationnement, il n'y avait absolument rien. On a logé, à un moment donné, pour les Disciples du Soleil, un énorme stationnement. On en voit encore certains stigmates en voyant l'entrée, et l'entrée qui est là-bas. On a maintenant métamorphosé ça en immeuble commercial. À la gauche, ça se nommait la rue Fleury. L'endroit où il y a, c'était équipé comme stationnement, à ma droite, c'était la maison où je suis né, la maison de 310 rue Fleury. Et juste à côté, où il y a le mont P, aller jusqu'à l'autre coin, il y avait une énorme taverne qui était la taverne royale, propriétaire de Eugène Pouliot. C'était mon ami qui demeurait là. L'entrée de la petite taverne se trouvait au coin de la rue Sainte-Hélène. Il y a des photos qui pourront témoigner de voir l'évolution entre aujourd'hui et cette époque. Ça, ce n'est pas des immeubles qui sont vieux. Un peu plus bas, il y a eu une pharmacie, il y a eu un garage, énormément de maisons qui contiennent de l'histoire, mais qui sont maintenant disparues. Donc ça, c'est là. Nous sommes situés ici à la frontière entre la paroisse Jacques-Cartier et la paroisse Saint-Roch. De l'autre côté, on sommes dans Saint-Roch. Bien sûr qu'aujourd'hui, la paroisse Jacques-Cartier n'existe à peu près plus, si ce n'est que pour des œuvres caritatives et pour aider les gens qui sont dans le besoin. Ici, nous sommes rendus devant le portail de l'usine de la Dominion Corset School. Beaucoup d'ouvrières ont travaillé à confectionner des vêtements pour les dames. La Ville de Québec a repris en main ce bâtiment et en a fait quelque chose de très, très bien. J'ai choisi de faire photographier le portail, mais il y a aussi une très belle horloge qu'on peut regarder en haut si on peut la prendre, étant donné la circulation qui se déroule en ce moment. On voit une idée de la largeur du bâtiment. Si on regarde la hauteur du bâtiment, Carole est notre spécialiste. Va nous faire une photo, peut-être avec la tour. La tour de l'horloge, de magnifique horloge qui a été faite par le monsieur Amiot dans le temps de la Dominion Corset, à votre gauche. Et à droite, il y a un énorme cours d'eau. Il faut se rappeler qu'au début du siècle passé, il y a eu un incendie important. Donc, on s'est prémuni avec cette tour de toutes les problématiques qu'un incendie pouvait amener. Imaginez qu'on ait des usines en bois, des usines avec du matériel, du textile, on fait un incendie pour des moyens rapides d'extinction. À gauche se trouve un bureau de poste qui était fonctionnel facilement jusque dans les années 70. Comme beaucoup d'autres bâtiments, il a subi un changement de vocation. Et ce fut en son temps un bureau de poste. À ma gauche ici, un peu plus loin, que jamais j'oublierai de toute ma vie, plaçait d'immenses paniers à pommes dans le devant de son commerce, juste ici, à quelques pieds d'où je me situe. Et là-dedans, il y avait du hareng salé. Alors, si vous aviez le privilège de manger ça au souper, je dois vous dire, ça vous prenait un gallon d'eau pour être capable de subsister à l'épreuve d'avoir mangé du hareng salé, le gros sel là-dedans. Mais c'était spécial, c'était qu'on marchait du plancher, tout craquait partout. Mais c'était ce qu'on avait dans le temps. Monsieur P.W. Dugal. Si nous nous trouvons devant un foyer, une maison funéraire de Hubert Moisan, le bâtiment a l'air
quelque peu en décrépitude, mais à l'époque, c'était quand même un très bel endroit pour vous préparer à aller à votre destination finale. Hubert Moisan, c'est un salon funéraire. Plusieurs membres de ma famille y ont été exposés. On se trouve maintenant rendu devant une boutique pour les jeunes qui se nomme X2O. Ça, c'est vraiment une passion pour les jeunes. Autrefois, c'était un magasin de meubles assez important de la paroisse Jean-Cartier, dans lequel on vendait particulièrement des pianos. Ici, nous sommes rendus maintenant à l'église Notre-Dame de Jean-Cartier. Aujourd'hui, cette église est plutôt vouée à des œuvres caritatives. Les gens qui sont dans une consommation de drogue, des sans-abri, c'est là pour aider ces gens-là à se reprendre en main. Mais à mon époque, je m'y suis marié en 1977. L'église date de 1851. C'est une très belle petite église qui était finalement une desserte de la paroisse Saint-Roch. Parce qu'aujourd'hui, la paroisse Saint-Roch a englouti Jean-Cartier. Parce que Jean-Cartier n'a plus office de célébration. Alors, Notre-Dame de la Jacques-Cartier. On dit que c'est l'église au clocher penché. Au 55 de la rue Saint-François-Est, ma grand-mère y a demeuré au deuxième étage, les trois derniers châssis à ma gauche, très longtemps. Ce fut son dernier logement avant d'aller en foyer. Je dois vous dire que j'ai eu un grand-parent, c'était ma grand-mère. Elle pensait que je ferais un prêtre, imaginez. Elle s'est peut-être trompée. Ça n'aurait peut-être pas été un très bon prêtre, mais c'est ce qu'elle pensait. Donc, souvent, elle venait de se faire friser chez moi. Puis là, je venais la reconduire ici. Et là, elle me faisait une petite boulette de steak haché avec une patate. Sacrifice que c'était bon. J'ai un souvenir imprenable, impérissable de ma grand-mère. Sa voix demeurait au deuxième étage, ici, au 55 Saint-François-Est. Suite à la lecture que mon copain a fait du moulin des Augustines, on y moulait de la farine. Les sœurs Augustines sont un peu plus bas sur leur propriété. Mais c'est dans la ville de Québec, avouez que c'est rare d'avoir un moulin à farine qui a subsisté à l'épreuve du temps. Le moulin des Augustines sur le boulevard Langelier. À cet endroit se situait l'école Jacques-Cartier. J'ai fait mon premier secondaire là, soit la 8e année, avant que j'aille à l'école Cardinal-Roy. On a tout pris cet espace pour faire ce HLM qui contient plus de 103 logements. Bon, ce fut un des premiers HLM, un complexe pour les gens qui avaient besoin, qui n'étaient pas particulièrement riches. J'ai connu de bonnes personnes qui demeuraient là. C'est le HLM 201 rue du Roi, l'HLM Jacques-Cartier. Pour montrer l'évolution du quartier Saint-Roch et puis Jacques-Cartier par la fin même, il y a à peine, même pas deux ans, le pâté de maison qui est à ma gauche, c'était tout simplement des maisons, un ancien nettoyeur qui était là, des immeubles qui ont été plus ou moins désaffectés. Alors, on a repris l'endroit pour bâtir encore un gros immeuble. C'est probablement un immeuble condo ou un immeuble locatif. On est en train de le bâtir. Vous voyez l'évolution incroyable de ce quartier en si peu de temps. Ici, nous sommes rendus maintenant au 261 de la rue Prince-Édouard. J'ai récemment appris une chose qui m'a étonné et que j'ai le goût de vous partager. Autrefois, peut-être dans les années 67-68, il y avait un monsieur qui réparait des radios d'automobile sur la rue Dorchester, un monsieur Roland Paradis. Et il avait un de ses acolytes qui travaillait pour lui, un monsieur Lorenzo Cloutier. Il demeurait là. Et en parlant à un de mes amis qui m'a dit qu'il demeurait, il avait demeuré à Jacques-Cartier, j'ai appris que mon ami Serge Boulanger
et a vécu là avec ses frères et sœurs dans cette maison-là. Alors, à une époque un peu plus reculée, mais quand même, c'était quand même un addon qui fait que j'aurais jamais pensé photographier cette maison-là, quoi qu'elle me rappelle des souvenirs. Alors, Serge, je te salue et je te présente ta maison qui est toujours en existante. Alors ici, présentement, c'est la maison où demeurait Camille Henry, un hockeyeur qui a marié Dominique Michel. Il y a quelques personnes qui aimaient le bleu pour leur collection, qui sont emparées de la plaque qui identifie la maison. En face, c'est écrit « La canopée », se trouvait le premier, mais le premier magasin Canadian Tire qui a existé ici à Québec. Alors, nous voici rendus sur le terrain des Sœurs de l'Hôpital Général. À ma droite, vous avez l'entrée du monastère où sont encore présentes les Sœurs Augustines qui restent, plus d'autres Sœurs qui se sont joints pour augmenter le groupe qui est quand même à la baisse, les Sœurs étant vieillissantes. À droite, vous apercevez deux galeries brunes. C'est le presbytère des prêtres de la paroisse Notre-Dame-des-Anges. Nous sommes dans la paroisse Notre-Dame-des-Anges. L'abbé Trépané au troisième étage, l'abbé Drapeau au deuxième étage, que j'ai connu à l'époque. À droite, on voit la rosace sous une croix. C'est l'entrée de la chapelle Notre-Dame-des-Anges avec une magnifique retable du Père éternel. Les sœurs ont mis une fortune pour remettre ça très beau. C'est à voir, ça va encore partie du patrimoine. À l'extrême droite, côté la chapelle, se trouve la résidence que le gouvernement a pris en main, bien sûr, pour les personnes du troisième âge. Alors, voici les activités de l'Hôpital Général qui a été au service des malades pendant des années. Le gouvernement a repris le tout parce que nous sommes une population, pour se le dire, vieillissante. À ma gauche, il y a le mémorial de la guerre de 1759. La plupart des soldats qui sont tombés ont été regroupés ici à l'Hôpital Général. C'est quand même une très belle œuvre qu'elles ont faite. Un peu plus loin, il y a comme un petit bâtiment gris, encore à ma gauche. Ce sera l'endroit où repose Montcalm. Puis en finissant, nous allons visiter le monument qui a été fait pour honorer nos sœurs Augustines. Bonjour, nous voici rendus maintenant à la troisième partie de notre reportage. Vous remarquerez au loin, à ma gauche, il y a un gros immeuble. Ça s'appelle le village de Lens. C'est un des premiers gros immeubles qui a été fait sur la pointe au Lièvre. Autrefois, on y trouvait l'entrepôt de la compagnie Pocket. Un gros entrepôt blanc qui a été démoli pour faire place à cette unité d'habitation, le village de Lens. Nous avons vu précédemment, dans une autre capsule, la Rothman, Benson & Hedges, la Rock City Tobacco, qui est une grosse usine de cigarettes et de produits du tabac. Nous en avons une meilleure vue en hauteur du coin de la bâtisse. La Rock City, avec un énorme tour d'eau qu'on peut voir de par plusieurs endroits de la ville. Devant ce magnifique bâtiment devant nous se trouvait autrefois, dans les années 50, un hangar où on logeait des locomotives. Fait à noter, je me posais toujours la question comment on faisait pour les faire reculer si on les rentrait d'avant. J'imagine qu'on devait chauffer l'engin qui devait dégager des fumées de charbon assez intenses. D'ailleurs, toutes les vitres de la bâtisse n'étaient pas parfaitement propres. C'est vraiment une locomotive où on pouvait faire soit des réparations ou les mettre en storage à cet endroit. À la droite, vous remarquerez, à côté de la poubelle, où le véhicule est arrêté actuellement,
il y avait la voie ferrée qui passait là. Puis on pouvait repartir les locomotives, les embarquer sur la voie ferrée, qui longeait le long de la rivière Saint-Charles, aller jusque sous le cap aux alentours pour finir au Cap Blanc puis rejoindre une ligne pour se rendre ailleurs. Donc c'est un point important à se souvenir de ce hangar. Il y avait beaucoup d'activités de réparation à cet endroit. Nous voici maintenant rendus devant l'école primaire Saint-Roch, celle qui a remplacé l'école que j'ai fait partie dans les années 57, aller jusqu'à 63. On voit cette nouvelle école plus moderne, avec des facilités intéressantes, des garderies, des trucs qui sont tout à fait au goût du jour, au goût des nouvelles familles. Nous sommes assez près de la rivière Saint-Charles, ce qui nous permet d'avoir un environnement avec une canopée et des beaux arbres. Donc, nous nous dirigerons vers le parc de M. Gilles Lamontagne. Je vous parle de M. Gilles Lamontagne dans la prochaine capsule. Le parc qui fut attribué à l'honneur de M. Gilles Lamontagne, qui fut maire de la ville de Québec. Et ce fut le fait remarquable qu'il a accompli, c'est de bétonner la rivière Saint-Charles. Bien sûr, ce n'était pas parfait, mais c'était un très bon début, un bon pas dans l'assainissement de cette rivière. Monsieur Gilles Lamontagne, c'est un très bon maire. Alors voici, nous sommes devant le bâtiment F.X. Drolette. F.X. Drolette, en son temps, était un mécanicien. On voit souvent des couverts de trous d'hommes avec le F.X. Drolette ou des grilles. C'était fabriqué ici. Alors il y avait des bateaux qui pouvaient arriver dans une cour qui était ici parce qu'il faut se rappeler que la rivière Saint-Charles était une voie navigable autrefois. Donc lui, il était positionné pour avoir toute la clientèle possible pour faire vivre son entreprise. La ville a repris ce bâtiment-là et en a fait quand même quelque chose de beau. C'était un bâtiment industriel qui ne disait pas grand-chose, mais maintenant, il a été très bien revampé. L'édifice de F.X. Drolette. Nous sommes sur la rue Dupont, au coin de la rue de la Reine. Il y a ici un dépanneur qui est très significatif pour les enfants de ma génération. Ce monsieur Clarence Robert possédait une petite tabagie au coin de la rue Fleury et de la rue de l'Église. Lors de l'aménagement du parc Îlot Fleury, il a été exproprié et il s'est réinstallé ici. Ce qui avait de particulier de ce monsieur, il était quand même assez corpulent. Il y avait toujours un énorme cigare à la bouche. Et quand un petit bonhomme comme moi entrait s'acheter des bonbons en scène, le monsieur dit « Qu'est-ce que c'est que tu veux, toi? » Alors, je vais vous dire, c'était pas très invitant. On a gardé le souvenir de M. Clarence Robert. Sûrement un bon monsieur, mais avec un air assez bourru, je dois dire. Nous, ici, en ce lieu, la rue Saint-François, le 106 Saint-François, plus exactement, ma mère a vécu là avec sa famille entre peut-être 45 et 49. C'était les années d'après-guerre. Et il y a eu une histoire que M. Roger Lemelin s'est inspiré, le crime d'Ovide Plouffe. Alors, à l'arrière de chez ma mère, il y avait des galeries semblables à celles que l'on voit à ma droite. Et il y avait une dame nommée Pitre. Ça, je le tiens de plusieurs oncles qui m'ont confirmé les noms. Et elle avait un ami qui s'appelait Généreux Ruet. Donc, le monsieur Généreux Ruet en question demeurait à l'arrière d'où ma mère demeurait. Et c'est lui qui aurait concocté la bombe qui a sauté dans un DC-3 qui s'est écrasé à Saute-au-Cochon. Et le but de l'exercice, c'était de prendre possession d'une police d'assurance qui aurait été intéressante. Donc, Généreux Ruet, avec sa complice, Madame Pitre, ça mérite d'être souligné, c'était dans Saint-Roch.
il n'y a pas eu tellement des enfants de cœur dans Saint-Roch. Il y a eu des gens qui ont fait des choses un peu horribles. Devant le, ce qu'on appelait autrefois le carré Jacques-Cartier. Il a été quelque peu modifié avec d'immenses immeubles. Ça vous donne une idée de la différence de ce qui s'est passé depuis peut-être à peine 50 ans. Il y avait ici une fontaine d'eau. Ensuite, on avait une statue propre à Jacques-Cartier. Cette statue a été enlevée pour faire place à cet immeuble et a été transportée à Cap-Rouge. Dans le centre de Cap-Rouge, il y a une très belle fresque. Je vous invite à peut-être regarder si vous passez dans ce secteur-là. Alors, nous nous trouvons maintenant rendus à l'emplacement où se trouvait l'école Saint-Roch, à quelle école j'ai grandi de 57 années jusqu'à 64. On voit un peu la superficie que l'école pouvait avoir. Et ici à droite, où la voiture qui rentre dans un stationnement, il y avait une petite boulangerie qui nous vendait des bons petits pains chauds à l'heure de la récréation. Je pense que le monsieur savait qu'on aurait faim. Et ça coûtait 5 cents. Quand je pouvais me dénicoter un 5 cents, j'étais le gars le plus heureux du monde. J'ai des photos qui seront incluses dans le reportage. C'est la bibliothèque Gabriel-Leroy. Un peu plus loin, la maison jaune avec des châssis noirs, ainsi que les deux autres maisons. Mon professeur de quatrième année demeurait là. Puis il y a un autre monsieur avec qui j'étais à l'école qui s'appelait Willett. Il demeurait dans la maison avec les fenêtres en rond. Alors nous voici vraiment rendus. On a passé devant l'église. Là, on passe devant l'endroit où était l'école des garçons, l'école primaire. Nous nous trouvons maintenant à l'intérieur de la bibliothèque Gabriel-Roy, qui fait le coin entre Saint-Joseph et la rue du Roi. Donc, c'est quand même un immeuble qui est aménagé à la culture. Donc, c'est très joli, c'est moderne et ça a été rénové. Il y a quelques boutiques à l'intérieur qui sont des accommodements, même des petits restaurants. À ma gauche se situe le magasin de tabac de M. André Tremblay. M. Tremblay avait un entrepôt, un tabacaniste reconnu, cigares, pipes, tabac en feuille que vous pouviez acheter et couper vous-même. Et il y avait même du tabac chiqué. Ma sœur était sortie avec un des fils de M. Tremblay, un M. Gilles Tremblay. Ça, c'était à cet endroit où était leur point de vente au détail. 372 Dorchester, point de rue 53. Ici, c'est la tabagie Jack et Gilles aujourd'hui. Mais autrefois, c'était la tabagie qui s'appelait Joe Côté. Lorsque mon père, dépendamment à l'heure du dimanche qu'il se levait, on avait le choix d'aller à l'église Jacques-Cartier qui était un peu plus loin, ou l'église Saint-Roch. Fait que nous étions sur la frontière des deux paroisses. Donc, il y avait un avantage. Si j'allais à Jacques-Cartier, je voyais ma grand-mère et les grands-oncles et compagnie, et je magasinais un tour en machine dans l'après-midi. Ça, j'aimais bien ça. Mais ici, ce qui était à noter, c'est qu'après la messe, mon père arrêtait ici. Et il feuilletait les revues. Et j'avais droit à ma liqueur grappette au raisin, une bouteille toute tortillée. C'était bon. C'était donc un bonheur d'avoir une bouteille d'eau vendeuse au raisin grappette. Oui, alors ici, nous sommes devant l'emplacement de l'hôtel Saint-Roch, qui fut en son temps un hôtel réputé, et même, oserais dire, de luxe. Sauf que les dernières années de son existence, suite à des incendies, il y avait des vieux messieurs avec de très jeunes dames se tenaient côte à côte. On pouvait imaginer quel était le rapport potentiel qui se
passait dans cet hôtel, l'hôtel Saint-Roch, qui était démoli, et je pense que c'est pour le mieux. À ma droite, il y a un endroit qu'on appelle une piazzetta. C'était une grosse librairie qui s'appelait la librairie L'Anglais. Un peu plus à la... On voit encore l'hôtel du Holiday Inn qui est où il y avait un couvent de religieuses autrefois qu'on a mis à terre qui vient cacher effectivement l'église de Saint-Roch. Et à droite, il y a la piazzetta, un peu plus à droite, qui va nous... Je peux marcher aussi, qui est rendu un restaurant. Mais autrefois, c'était la bibliothèque L'Anglais. C'est très, très, très connu comme bibliothèque. Et juste à côté, le commerce qui s'appelle la Bruderie Saint-Roch, c'était un autre tabaconiste, Giguère. C'était un autre tabaconiste qui était assez réputé. Il y avait une succursale à la Haute-Ville. Ça, c'était pour la base. Je vais l'indiquer en marchant. La librairie L'Anglais, c'est une librairie ici. Ça, c'est un restaurant qui a l'air assez huppé. Une pièce d'état. Et... Ouais, si tu veux prendre un café et tu veux prendre des bains ou des trucs dans ce genre-là, c'est une brûlerie. Ils vendent du très bon café. Mais c'était un tabacaniste autrefois. Ici, on regarde. La corniche qu'il y a ici, c'est vraiment le dessin d'origine de ce bâtiment-là. Giguère. Ici, le bâtiment s'appelait le Murcher. C'est le bâtiment, le nom de ce bâtiment-là, qui a quand même quelques années. Maintenant, c'est la communauté urbaine de Québec qui y siège. Et à mon époque, on allait payer le compte d'électricité. Mais mes parents ne connaissaient pas ça, l'Hydro-Québec. Ils connaissaient la Québec Power et on allait payer la lumière. C'est comme ça qu'ils s'exprimaient. On payait le compte d'électricité ici. On me donnait 10$ dans une enveloppe. Il ne fallait pas que je le perde. Et je le serrais dans ma main jusqu'à temps que je puisse payer le compte qui était au premier étage ici. L'Hydro-Québec. Le Syndicat de Québec. Le Syndicat de Québec a été fondé par 7 chefs de rayon de la compagnie Pocket qui ont décidé de se mettre ensemble pour fonder cette entreprise. C'était très, très, très populaire. Et je me souviens, à l'époque, à l'avant-dernier étage du rond, on plaçait des sapins rouges, tout avec les numéros. J'étais absolument féerique. Je voyais ça de chez moi, ces sapins. C'était vraiment assez intense au niveau des décorations du temps des fêtes. À l'arrière de mon ami Carole, mon cinéaste, il y avait un énorme sapin qu'on plaçait dans le temps du mois de décembre. Peut-être un arbre qui va mesurer 40 ou 50 pieds, absolument plein de lumière. C'était féerique. J'ai une photo qui vous en montre une partie. À peu près dans l'endroit où c'est écrit Doyle, c'était là. Alors, on arrivait à un énorme sapin juste à côté de la statue de Jacques Cartier à ce moment-là. C'est des souvenirs hein, de la ville de Québec qui sont quand même très clairs dans mon esprit, qui nous montrent l'évolution, les immeubles modernes à des étages multiples, ce qu'on ne voyait pas autrefois. Quand on voyait un 4 ou un 5 étages, c'était maximum de ce qu'on avait. On a des images à 10, 12, 15 étages, facilement, et ça, ici, dans Saint-Roch. De l'autre côté de la rue de la Couronne se trouvait l'entrée du Mail Saint-Roch. À un moment donné, pour attirer la clientèle, améliorer le confort, l'expérience de magasinage, on a voulu créer un mail fermé. Ça ne fut pas un succès commercial très grand.
souvent un refuge pour malheureusement des itinérants qui passaient la nuit là. Il y avait toujours des policiers qui les chassaient, les pauvres diables, pour qu'ils soient en quelque part, qui, au lieu de jouer à l'extérieur, qui venaient dans le Maï-Saint-Roch. Ça a été démoli il y a quelques années. Et puis là, bon, on a des petits cafés, on a des choses qui sont quand même intéressantes, qui sont même jolies. Donc, le Maï-Saint-Roch. Donc, nous voici devant le parvis de l'église Saint-Roch. Lorsque j'étais jeune, le professeur d'école se tenait à la droite et tous les élèves en rang d'oignon sur chacune des marches et prenaient une photo des élèves une fois par année. C'est tout qu'un événement et ça coûtait 50 cents pour avoir la photo. 50 cents en 1964-63 dans ces parages-là. Donc, le parvis de l'église, et c'est une très belle église en dedans, malheureusement, on ne peut pas y accéder à ce moment-ci. Mais par des photos, on vous montrera dans notre reportage des photos de l'intérieur, ainsi que de l'orgue qui est quand même assez puissant. Piano mécanique, mais j'ai pas la partition, je n'ai fait qu'un petit bout simplement à l'oreille. Beau piano Willis qui a été très bien peinturé. J'ai rajouté une tourne au complet avec une partition. Les meubles avec les fenêtres rondes de couleur rouge étaient l'arrière de la compagnie Pocket. La compagnie Pocket en son temps était un très gros détaillant. Le commerce de détail se passait ici. Beaucoup de gens de l'extérieur de la ville venaient à la compagnie Pocket compléter les achats dont ils avaient besoin. Monsieur Pocket était un monsieur qui était originaire de la ville de Portneuf, à Neuville pour être plus précis. Et il a fondé ce gros empire, doit-on le dire, compagnie Pocket. On nous verrons plus tard la devanture de ce magasin qui était quand même impressionnante. Avec le temps, ça a changé de vocation comme vous le voyez maintenant. À cet endroit existait le magasin très réputé de fourrure J.B. Laliberté. Jean-Baptiste Laliberté, c'était son nom. J'avais un oncle qui était grossiste en fourrure et J.B. Laliberté était son principal client. On doit dire que il avait une très belle relation avec M. Laliberté. Ce commerce a fermé il y a quelques années. C'est triste, mais la difficulté de stationner dans la ville de Québec rend les choses extrêmement compliquées pour des clients qui pourraient venir des paroisses ou des banlieues. Alors, je suis pas certain que la majorité des gens ici peuvent acheter des manteaux de fourrure avec des milliers de dollars que ça peut coûter maintenant. À ma gauche, il y a la pharmacie Brunette, qui était maintenant je vois Gilles Fleury, Vincent Blanchette, ce pharmacien, et c'était vraiment Brunette. Ça fait des années que ça existe. À ma gauche, au coin de la rue La Chapelle, député pharmacien, et à ma gauche, où c'est écrit « Vivre le plaisir », était situé un magasin de meubles, Légaré. Et les gens d'ici disaient toujours « J'ai été chez P.T. Légaré ». Donc, on voulait dire chez Légaré, on disait P.T. Légaré,
Et ça, c'est ancré dans les mœurs des gens du temps. Un gros magasin de meubles ici. À ma droite, vous aviez le magasin Norman, un magasin spécialisé pour les vêtements pour les dames. Il y avait une vente que toutes les femmes ne manquaient jamais. Il y avait une vente à un cent qui était le deuxième item qu'ils achetaient. C'est une stratégie commerciale qui, en son temps, a fait vraiment des bons profits à M. Norman. À ma gauche, où se situe maintenant Denis Musique, c'était la Banque de Montréal. Je me rappelle comme c'était hier, parce que mon père, à toutes les semaines, allait rembourser une partie d'un prêt qu'il avait fait là. La Banque de Montréal. Autrefois, cet établissement s'appelait le Barry d'Huit. On y tenait des spectacles. Il y avait un très bon restaurant. Ça a été incendié. Ça a été réparé à nouveau, sensiblement comme c'était à l'époque. Il y avait une énorme enseigne avec un baril au-delà où c'est écrit Café Rencontre. Aujourd'hui, on sert des repas pour les gens qui sont moins fortunés. Et fait intéressant, M. Maurice Polak, selon une photo que j'ai trouvée, aurait commencé son commerce ici. Donc, je vous montre que la première partie était un petit restaurant et le petit local de M. Polak. Je traverse la rue et pour vous montrer. Et la suite, c'est vraiment un restaurant. Écoute, tu es en train de me dire. Alors, nous voici rendus au coin de la rue Saint-Roch et du boulevard Charest. Ce qui était souligné à cet endroit, il y avait un journal, un quotidien, qui s'appelait L'Action catholique. Ce journal a fermé ses portes aux alentours des années 70. Et ce qu'on nous avons de particulier, moi et mon ami Carole, c'est qu'au l'avant-dernier étage, les trois premières fenêtres, nous avions un ami qui est demeuré dans cet immeuble-là, qui est devenu un condo. On a pris une carcasse de bâtisse et on a fait des appartements dans ça. L'Action catholique. Nous avons face à moi l'hôtel Champlain. C'était dans son temps très réputé. Quand les bûcherons arrivaient des bois, après être bien passés au pain fin, ils allaient là et ils allaient dans les hôtels, dans les tavernes pour s'amuser un peu. Souvent, la paie y passait. L'hôtel Champlain. Par la suite, une œuvre de charité qui s'appelle l'Aube-Rivière a pris place à cet endroit. Donc, le Château Champlain est la maison de l'Aube-Rivière. Ça a rendu service à bien, bien du pauvre monde. Le nouveau palais de justice. Il y en a eu d'autres précédemment en Hauteville. Maintenant, on a celui-ci qui a des facilités et qui est beaucoup plus moderne que les anciens. Il est très, très, très bien aménagé. L'intérieur, c'est bien fait. Et c'est là qu'on juge des enfants de cœur, j'imagine. Palais de justice. Ici, on retrouve le bureau chef de la SAC pour Québec, Société de l'assurance automobile du Québec.
J'espère que depuis qu'ils ont réussi à améliorer ou régler les problèmes causés par l'implantation d'un nouveau système d'informatique, je connais bien des gens qui ont eu certains problèmes avec le renouvellement ou l'immatriculation de leur permis de conduire, dont moi-même. Donc, Société de l'assurance automobile, très belle bâtisse, voisin de notre palais de justice. On est dans des immeubles à vocation, mais vraiment de fonctionnaires, de gens qui nous rendent service. Alors, la SAC. Nous achevons notre parcours de Zera. Nous sommes en effet rendus à la frontière. Nous retournerons vers le centre-ville un peu plus tard. Mais je veux vous parler un peu ici de la gare du CN, Canadian National Railway, CNR. Et à ma droite, il y a le CPR. C'est une très belle gare qui a été bâtie dans les années 1915. On va y pénétrer pour voir un peu l'intérieur de la bâtisse. Je dirais que c'est grandiose pour l'époque. Et on ne bâtit plus de maisons comme ça, de nos jours. En plus, quand on allait prendre le train à Québec pour aller à peu importe à Montréal ou autre, c'était à la gare du Palais. Des commerces, de la restauration, toutes sortes de choses du genre. L'intérieur de la gare du Palais. Regardez les sculptures et le travail de briques qu'on y a fait. On voit aussi l'endroit où on prenait notre billet, notre ticket, comme plusieurs le disaient autrefois. Plusieurs commerces ici sont installés, comme le Charbon, qui est un très très bon steakhouse, et des dentistes. On refait une vocation à l'immeuble, mais ça donne une très bonne idée de ce qu'on avait autrefois. Nous sommes maintenant rendus à l'intérieur de la nouvelle gare d'autobus. Autrefois, la gare d'autobus se trouvait au coin de la rue Caron et du boulevard Charest. Ça a été déménagé ici, dans un édifice beaucoup plus moderne, assez près de la gare du Palais pour les trains. Donc, c'était assez intéressant et nous allons visiter un peu les facilités à l'étage, si vous voulez me suivre. On sortira par ici, mais tu peux voir ici, là. Tu laisses ses bagages, puis c'est des quais d'embarquement. Nous apercevons ici les quais d'embarquement de la nouvelle gare. Une dame qui entre, une dame qui sort. On voit plusieurs patients qui attendent leur autobus. Donc c'est vraiment vaste, c'est propre, c'est bien aéré, bien aménagé. La gare d'autobus centrale. On a vu à l'arrière sur Saint-Joseph, là on voit la partie neuve de ce gros magasin. Il y avait aussi un Steinberg qui était au sous-sol. Et
une particularité que je me rappelle. Mon père en était pas riche. Alors, il achetait souvent des vêtements à crédit pour la rentrée scolaire. Et ils avaient des cartouches en cuivre qui dévissaient. Et ils mettaient la facture dans la cartouche en question, ouvraient une trappe, et il y avait une suction qui amenait les transactions directement au bureau de crédit à l'intérieur du bâtiment. C'est un système à vide où on envoyait la facture à travers des tubes. Ça, c'est une particularité du magasin de M. Pollack. Nous trouvons ici devant la maison de l'Aube-Rivière. Une maison qui rend service aux démunis, aux sans-abri. On a pu constater lors de notre marche des gens qui couchent dans un sleeping à terre et leurs bas sont tellement troués qu'ils marchent directement sur leurs pieds, ils n'ont aucune protection. Il y a vraiment de la misère. On voit d'un extrême à l'autre. Et puis, cette maison-là vient aider. Plusieurs communautés religieuses fournissent des fonds pour aider les gens qui sont dans le besoin, et je dirais même dans le grand besoin. Maison de l'Aube-Rivière. Nous voici sur la rue du Parvis, au commencement du parc de l'Îlot Fleuri. Le maire Jean-Paul Lallier, devant la vétusté des immeubles qui se trouvaient dans le secteur, a fait raser et revitaliser cette partie de la ville. D'ailleurs, il y avait des gens qui étaient propriétaires de maisons et qui avaient déjà commencé à embellir en mettant de par le propre chef des fleurs, et ça s'est poursuivi. Donc ça donne encore une place. C'est sûr qu'on peut y rencontrer des gens qui ne travaillent pas ou quelques itinérants. Et si on regarde l'ensemble de l'espace, c'est bien aménagé, c'est propre. Vous y trouverez à ma gauche une fontaine qui a été aménagée. On parle de quelque chose de beau. Au lieu d'avoir des immeubles, des nids à feu, comme on disait autrefois, des nids à feu, des immeubles inconfortables, on s'est débarrassé de ça. Et si on regarde tout ce qui s'est bâti autour, on c'est presque incroyable tout ce qui s'est bâti. Bien sûr, on parle de bureaux, mais il y a quand même quelques facilités de logement pour les HLM ou des OMH. Mais c'est sûr que ces logements-là, si jamais vous pouvez en avoir un, vous le gardez jusqu'à votre mort parce que vous ne trouverez jamais ailleurs mieux au niveau du prix. Autrefois, il y avait là des taudis. Entre autres, il y avait un très gros immeuble où on a vendu des tapis, la bâtisse d'Emilien Rochette. On a vendu des automobiles, on a vendu des pare-brises automobiles, le beau, entre autres. Tout ça a disparu pour faire place à cet îlot de verdure. Bravo, M. Lallier. Thank you.
arrivons maintenant au terme de notre exploration du centre-ville et on ne saurait passer sous silence l'édifice Guilmette qui est à l'arrière ici. Je me souviens, étant jeune, avoir mon ami Bertrand Lavey que j'ai fréquenté à plusieurs reprises. Je demeurais au cinquième étage, dans la partie où la brique est plus foncée. Les deux dernières fenêtres, c'était là leur salon. En bas, où il y avait, on voit le 470, c'était une librairie qui se nommait l'Institut littéraire. Quand j'avais une pièce de temps en temps de lousse, j'ai été acheter mes albums de Tintin à l'Institut littéraire. Un bâtiment de 5 étages qui était pour des bureaux principalement. Aujourd'hui, je peux imaginer que c'est la même chose. Je ne vois pas d'habitation là. Et ça, c'est possible. Donc, l'Institut littéraire en bas à gauche, au 460, il y avait là un petit restaurant qui s'appelait le Café Notre-Dame. Ce café-là, j'ai une tante qui m'amenait manger une boule de crème glacée ou une tarte au coconut. Le Café Notre-Dame, sur des petits barons en métal chromé. Je vous dis que c'était la fête. Ça, c'était du bonheur total. La boule de crème glacée ou la tarte au coconut. Plus tard, au 460, il y a eu un restaurant qui s'est nommé le Italia. C'était la propriété de Alberto Greco. C'est un Italien, bien évidemment. Et au deuxième étage, il a fait une salle de danse. En haut du 460, local à louer, il a fait une salle de danse qui s'appelait effectivement le Club Italia. Nul besoin de vous dire qu'on allait là. Et il y avait de bons musiciens. Ça s'appelait les frères Révi. On les retrouve maintenant chez Luigi sur la rue Saint-Louis, le Parmesan. De toutes les améliorations du quartier, les nouveaux immeubles, CGI, TELUS, le grand édifice au carré Jean-Cartier, les gros hôtels, c'est quand même impressionnant. J'espère que vous avez aimé, lors de notre périple, la visite des quartiers centraux de Québec et des anecdotes insoupçonnées. C'est André Leroux qui vous remercie de votre attention.